chez Decathlon, le mobile prend de plus en plus d'importance, à la fois vis-à-vis des clients, des sportifs qui viennent consommer nos différents canaux de plus en plus sur mobile, via l'application, via le site. La part de trafic augmente énormément et elle est majoritaire. Pareil pour tout ce qui est achat, ça convertit et ça achète de plus en plus sur le mobile. Mais au-delà de ça, il y a aussi nous, on se met dans un état d'esprit de plus en plus mobile first. C'est-à-dire comment on va concevoir nos contenus. On a des outils de conception de contenu en interne et on essaye de forcer un petit peu aussi la partie preview mobile pour que, à la base de toute cette conception, on pense mobile plutôt que d'abord desktop et après la transformer sur le mobile. Donc ça, c'est un usage déterminant et qui va aussi jouer bien entendu sur le média sur lequel on va investir, sur les contenus que l'on va créer et sur les ressources qu'on va allouer à la fois humaines et budgétaires sur le suivi de ces éléments mobiles. Et on peut aussi parler de technologies comme l'AMP, la performance d'un site et donc afficher un contenu le plus rapidement possible devient déterminant. Et donc on explore aussi depuis pas mal de mois l'AMP pour faire afficher d'un point de vue retail, donc e-commerçant, des produits le plus rapidement possible via les technos qu'a mis à disposition Google.